Bien, souhaitant traiter cet exercice, la micro-analyse d'un alcane montre que le rapport entre la masse de l'hydrogène sur la masse de carbone qu'il renferme est égal à 0,20. En déduire, à l'aide de ces deux informations, la formule brute CXY de l'alcane A. D'abord, recouper l'information importante. On nous dit ici que c'est un alcane. Voilà. Et on a le rapport de masse ici, de masse d'hydrogène et de dioxyde. Voilà. Donc, question A. Formule brute de A. On a M. On a déjà CXH Y qui peut être écrit sous la forme CXH 2X plus 2 à cause de ce que A est un alcane. On a également que la masse d'hydrogène sur la masse de carbone donne 0,20, ce qui donne donc MH est égal à 0,20 MC, première relation. Or, la masse d'un atome, la masse de H est égale à quoi? Au nombre de H fois la masse d'un seul atome d'hydrogène. Et la masse de carbone est égale au nombre de carbone fois la masse d'un seul atome de carbone. On peut retraduire A étant un alcane. On peut donc écrire qu'on aura ici 2x plus 2 que multiplie h. Donc on peut simplement garder mh. On aura donc la relation 2 et 2 dans 1 donne 2x plus 2. Facteur de la masse d'un atome d'hydrogène qui est égal à 0,20 fois x fois la masse d'un atome de carbone. On aura donc ici 2x que multiplie la masse d'un atome d'hydrogène plus 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène qui est égal, on va faire plus simple, oui, à 0,20 x fois la masse d'un atome de carbone. On a donc 2x fois la masse d'un atome d'hydrogène moins 0,20 x fois la masse d'un atome de carbone qui est égal à moins 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène. On peut observer qu'ici on a un x et un x là. On met x en facteur. On a donc x, le nombre d'atomes de carbone
qui sera égal à 2 fois mh moins 0,20 fois la masse d'un atome de carbone qui est égal à moins 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène. D'où x, le nombre d'atomes de carbone, ça va être égal à moins 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène sur 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène moins 0,20 fois la masse d'un atome de carbone. On prolonge la barre, on va l'encadrer. Voilà, application numérique. X est égal à quoi? À moins barre de fraction 2 fois 1,0 sur 2 fois 1,0 qui représente la masse du molaire du carbone moins 0,020 fois 12. Donc application numérique, on aura x est égal à, donc on a ici moins en parenthèse 2 fois 1, on ferme la parenthèse, divisé par la parenthèse 2 fois 1 moins 0 fois 2 fois 12. On ferme la parenthèse et on appuie sur égal. Ça fait 5. On a donc ici x est égal à 5. Alors y est égal à 5 fois 2 plus 2. On a donc y est égal à 12. La formule brute de notre composé est donc A est égal à C5H12. Il s'agit du pentane. Merci.